ce grand bateau, les bateaux de navigation, et nous avons un bateau sacré. Nous partons de la bateau sacré, nous avons un bateau sacré. Puis, l'équateur arrive, elle retrouve la même chose, le grand bateau de navigation, et voilà la partie. Et on va l'attacher l'un à l'autre. Et les deux seront tirés par les assurés. Quadratino, ti devi che prendere la faccia. Que les moyens de communication n'étaient pas naturellement bonnes, ce qui faisait que on n'arrivait pas à savoir aussi qui est le roi simplement. Puis on va avoir une autre explication un peu plus récente, mais aussi intéressante. Vous souhaitez, on va dire que peut-être les responsables du chantier qui sont des Égyptiens, peut-être qu'ils ont fait exprès d'une manière ou d'une autre de ne pas écrire les noms et laisser les cartouches vides. Les noms de qui? De ces rois grecs, n'oubliez pas. Naturellement, ça, ce sont les explications que nous avons jusqu'à aujourd'hui à propos des cartouches vides que nous avons dans un site comme celui-là où nous sommes venus. Nous avons trois preuves permettant de l'existence du cycle du vêtement égyptien. Venez un peu par là. Nous allons
Et la station de ce port que nous pouvons en nous prenant.